Alors, donc, Juliette et Émeric Lomprey. Que va-t-il se passer? J'ai peur, ayez peur. Il s'apprête à bondir dans le public et dans vos oreilles pour notre grand jeu, pour lequel on n'a toujours pas de thunes. Donc ce sera une fois de plus le jeu 100 euros. À vous Juliette, à vous Émeric. Oui, merci Charline et bienvenue à toutes et à tous dans notre jeu, le jeu 100 euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des euros. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour Émeric, ne criez pas, vous n'êtes pas si loin. Ouais. Une fois encore, Émeric, nous avons sélectionné la crème de la crème, une candidate et un candidat dans la cité de la musique et de la danse de Strasbourg. Tout à fait, Juju, tout à fait. Et avec qui êtes-vous? Je suis avec Louise. Louise, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Louise. Oh, bah c'est bien fait et puis c'est très joli. Louise, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis un agneau, ben. Et ça va? Bah, à votre avis, ce week-end, c'est Pâques. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, Louise. Moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment. Et vous, Émeric, avec qui êtes-vous? Moi, écoutez, je suis avec Simon. Simon, quel est votre prénom? Simon. Pas ouf. Alors, Simon, que faites-vous dans la vie? Je suis médiateur avec, dans Danse avec les Stars. Ah. Et vous êtes? En burn-out. Évidemment. Et donc, ma Juju, nous jouons pour un magnifique cadeau. Lequel est-il? Ah, écoutez, Émeric, c'est un cadeau exceptionnel. Il s'agit d'une photo, la photo de la plus belle place de la région Grand Est, la place Stanislas à Nancy. Waouh, 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 waouh. Allez, c'est parti pour le jeu 100 euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des euros. On commence avec la première question, Émeric. Oui, alors, Simon, vous devez deviner le prix de ce magnifique fer à repasser, toute option, muni d'un G... Non, Émeric, non, mais non, on fait pas le juste prix. Ah oui, pardon. Bon, alors, en trois briques, bidet. Non. Quoi? Non, non. Alors déjà, bidet, non, et non plus, on joue pas à pyramide. Ah mais oui, mais quel idiot fais-je. Alors, c'est parti, Shifumi. Non, non, bon, allez, ça suffit comme ça. Simon, vous gagnez le point. Bravo! Allez! On passe! Ah, il y a un moment, il faut prendre des décisions. On passe à ma question. Louise, concentrez-vous. Qui a été auditionné cette semaine par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est Yann Barthès pour l'émission Quotidien? Est-ce que c'est Inès Reg et Natacha Saint-Pierre pour Danse avec les Stars? Ou peut-être Saïd Tagmaoui et Mathieu Kassovitz pour Mon égo est plus gros et plus con que le tien? Je sais plus. Où est-ce? Laurent Romeschko pour les chiffres et les lettres. Votre réponse, Louise? Je crois que c'est Yann Barthès. Oui, oui, c'est la bonne réponse. Bravo. Et donc, oui. Le score. Un petit point sur les scores. S'il vous plaît. 45. Et on ne joue toujours pas au tennis. Ah, le score est donc de 1-1. Et pour vous départager, on va passer sans plus attendre à la question... Bonus. Alors, voilà, alors, question. Calmez-vous, les Lorrains. La question bonus. Aujourd'hui, la question bonus est à 2 points. Oh, c'est tout. C'est pas beaucoup. Bien c'est... la peine de faire crier les gens. 2 points. Alors, une porte. Louise et Simon a été vendue aux enchères, mais c'est pas n'importe quelle porte. C'est pas celle, par exemple, que va prendre Guillaume Meurice à la fin de la saison. Non. C'est celle qui, dans le film Titanic, permet à Rose d'être sauvée, mais pas Jack, parce que les filles, c'est des grosses égoïstes. Donc, cette porte a été vendue aux enchères. À combien estimez-vous cette enchère, Louise? 100 000? Ça me paraît une réponse convenable. 100 000. Mais vous, Patrick? Simon. 1 million? 1 million? Alors, la bonne réponse, monsieur, je sais compter. Eh ben, je pense que c'est Simon qui a la bonne réponse, puisque la bonne réponse était 660 000 euros. Et c'est donc Simon qui gagne cette photo magnifique de la place de Nancy. Bravo. Alors, à la semaine prochaine pour le jeu 100 euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des heureux. Merci Juliette Arnaud, Émeric Lomprey.